Bonjour tout le monde et bienvenue à Body Express. Aujourd'hui, on vous parle de Unbox Newbies Adventure, produit par Prospect Games. Ce jeu est disponible sur PC, Xbox et PS4 et dans les prochains mois, il devrait se retrouver sur la Switch de Nintendo. Unbox est un jeu de plateau en 3D où on va jouer le rôle d'une boîte de carton. Unbox est principalement un jeu d'exploration où on va devoir collectionner des rubans d'or, des thèmes, on va pouvoir libérer d'autres boîtes emprisonnées et il y aura plusieurs missions à accomplir dans le but de faire avancer l'histoire du jeu. Notre boîte va pouvoir faire seulement que deux actions, elle avance ou elle saute tout simplement. Malheureusement, les contrôles demandent une bonne courbe d'apprentissage pour maîtriser les mouvements de la boîte. Comme c'est une boîte, elle va avancer, mais comme on peut dire, elle va rouler carré. Donc, les mouvements de précision sont quand même assez compliqués à faire avec elle. Et au niveau des sauts, il y a une certaine courbe d'apprentissage également pour contrôler la puissance des sauts. Les contrôles difficiles de la boîte font en sorte que plusieurs personnes n'aimeront pas le jeu. Je dois m'inclure dans ceci. Après seulement 5 minutes de jeu, je détestais le jeu de la façon que la boîte se contrôlait. La courbe d'apprentissage est là et après plusieurs minutes de jeu, j'ai commencé à mieux contrôler ma boîte. C'est normal, c'est une boîte, ça doit rouler carré. C'est plus difficile pour les mouvements de précision, mais ça apporte un défi de plus au jeu. On peut également faire un super saut. Dans le jeu, on appelle ça le déballage. C'est tout simplement un saut qui va plus loin et plus haut. On va avoir 6 points et chaque super saut va nous coûter 1 point.
Donc, on peut faire plusieurs sauts à répétition tant qu'on a des points disponibles pour le faire. Pour récupérer nos 6 points pour faire des super sauts, la façon la plus simple est de trouver une boîte à mal qui va nous donner automatiquement nos 6 points. Ou sinon, il y a tout partout dans le parcours, il y a des petites boîtes vertes de vie et chaque boîte qu'on prend va nous donner un point pour le super saut. Pour faire avancer l'histoire, il va falloir compléter plusieurs petites missions. Il n'y a rien de plus simple pour trouver ou faire une mission. On choisit en bas vers qui on veut se diriger. Elle va donner le kilométrage, à combien de kilomètres on est de cette personne-là. Et une petite flèche va apparaître. On a juste qu'à suivre cette direction-là pour atteindre la personne qui va nous donner notre mission. Les missions qui vont nous être demandées d'accomplir vont être quand même assez variées. Et je dois vous avouer que certaines ont été quand même très difficiles à accomplir. Le but d'accomplir ces missions est tout simplement d'obtenir un thème, et lorsqu'on aura assez de thèmes, on pourra affronter le boss des Wildcards, qui sont nos rivaux dans le jeu. Au niveau du graphisme, le jeu est tout à fait sublime, c'est vraiment un très beau jeu, les environnements sont très détaillés, vraiment un très beau jeu. On va pouvoir conduire des véhicules dans le jeu, malheureusement les contrôles sont atroces, et tant qu'à avoir des contrôles comme ça, on devrait tout simplement pas mettre cette option dans le jeu. On va pouvoir maquiller la boîte de façon qu'on veut. Elle peut même ressembler au Père Noël. On a plusieurs options. Et on va pouvoir faire une boîte à l'image qu'on le veut. Il est important de noter qu'il y a un mode de multijoueur local à 4 écrans séparés. Malheureusement, mes filles ont trop de difficultés, donc je n'ai pas testé ce mode. Mais c'est une bonne attention d'avoir mis un mode de multijoueur local. Pour conclure, un coup qu'on apprend à contrôler notre boîte, on a beaucoup aimé le jeu avec ses missions variées, le graphisme qui est très beau et tous les items qu'on peut collectionner. Ce qu'on aime moins, c'est la courbe d'apprentissage qui est quand même difficile au niveau du contrôle de la boîte, les contrôles des véhicules qui est tout à fait atroce. Malgré le graphisme, ce qui attire les jeunes, le jeu n'est pas fait pour les plus jeunes. La note Les Bodés est de 2 bodés sur 3. La note Facteur Geek est un 8 sur 10. N'oubliez pas de consulter notre site internet factorgeek.com et d'écouter notre podcast La Balado FG qui est maintenant en direct à chaque jeudi 20h sur Twitch. Sur ce, merci et à la prochaine.